Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound 1.1.1. Donc, cette fois-ci nous allons aller faire le... je l'ai fait un petit peu en mode abruti hein, quand même. Nous allons aller faire le mini-nog, stronghold. This mansion. Oh, je suis curieux. Mansion, ce manoir, cette... Ouais, c'est ça, ce manoir. Oh. Je suis curieux. Donc, pour aller chercher l'artefact, Apex. Joli déjà, c'est un peu plat, il manque peut-être un petit peu de... de choses, d'afficher, mais... sinon, c'est assez joli. On va grimper, mais je pense que je vais me bouffer un mur invisible maintenant. Non, même pas. Maintenant, même pas. Ah, le voilà, le mur invisible, oh qu'il est beau. C'est dommage. C'est dommage parce que ça devrait pouvoir tomber seul. Enfin bon, ça finit par tomber de toute façon, je dirais. En soi, c'est pas plus mal. Alors je crois que je profite encore du soin qui m'était offert, entre guillemets, dans le vaisseau, à la maison quoi. Hey soldat, dépêchez-vous. Merde, j'ai pas le temps de dire. Hey soldat, dépêchez-vous, on a besoin de vous dans les tunnels. Oh, attendez. Vous n'êtes pas dans la... pas là des biens. Vous êtes ici pour nous rejoindre. On pourrait vous utiliser. On a besoin d'un éclaireur en souterrain. Le nom c'est Lana Blake. Mon nom c'est Lana Blake. Et si tu veux aller dans cette planète si je veux vraiment y aller dedans, faut que j'aille en dessous. Je vérifie juste un truc, chers amis, parce que j'ai l'impression que le son est extrêmement fort et je reviens. A tout de suite. Ok, re, chers amis. Donc, bon, apparemment, il y a un problème au niveau de mes outils de son parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, enfin, à chaque fois que je relance le PC, le son est différent. Donc, bon, c'est bizarre. J'espère que le son est mieux cette fois-ci. En tout cas, de ma part, j'ai fait le réglage. Je ne peux pas passer par là en bas, c'est pareil, je ne peux pas y aller. Ok, on va par là. Bonjour. Wow, on se calme, l'ami. Ah, je me suis fait toucher quand même. Hein. Hop. Ah, comment je me fais agresser par ce tour de cul. Il n'y a pas ces trucs-là. Ah, j'ai pas les portes aussi, faut que j'y pense à les récupérer. Ah, bien, ça m'a bloqué derrière moi, d'accord. Hop, il y a une porte ici, hein. Je veux pas dire, mais... comment suis-je censé... est-ce que je peux toujours le voir ou pas? Non, je crois que ça a été désactivé, justement. Ouais, ça a été désactivé. Oh, mais... regardez, il a une forme différente à chaque fois. J'avais jamais fait gaffe. Et en V, il a quoi? Oh, joli. D'accord. Ah bah, c'est cool. Honnêtement, j'apprécie. Ils sont super, ces lumières. Par contre, cette porte-là m'embête. Ah, puis il y a clairement les trucs de... ah non, je suis dégoûté. Il y a clairement les trucs qui m'intéressent. Peut-être que ce sera ouvert à la fin. Ah non, c'est quand j'aurai fait ça que ça va être ouvert. Vous allez voir. Regardez. Là, ça va être ouvert. Non, même pas. Oh, je suis vexé. Ok, bon bah tant pis. J'aurais juré que ça allait être... enfin, j'aurais... ouais, j'aurais parié que ça allait être ça. What about that? Oh, attendez, il y a un truc là. Ouh! D'accord, ça s'appelle donc maintenant le mini-nog helmet. Ok. Pourquoi pas. Et ça, je ne suis pas complètement fou. C'est une vanne. Qui dit vanne? Dit blague pourrie! Bref, non, j'ai rien dit, excusez-moi, je suis désolé. Je suis persuadé que ça m'a ouvert la porte là-bas. Allez. Oui! Non! Oui! Ah, il y en a deux. J'ai deux trucs à activer, désactiver. D'accord. Laboratory Light, ok, je prends. Laboratory Hatch, je prends aussi. Ouh. Il y a deux trucs à désactiver pour ouvrir ce portail.
C'est pas celui-là. Donc c'est deux hatch sûrement. C'est deux fois le même même truc. Sans trop me tromper. Ok, ça doit être ça. Bon, alors on doit trouver un total, chers amis, de deux manivelles comme ça, entre guillemets, si je puis dire. Je fouille quand même partout, sait-on jamais. Mais apparemment, c'est pas par là. Ok, bon, bon, bon on sait ce qu'on, au moins, on sait ce qu'on doit chercher maintenant. Après, on n'a plus qu'à espérer les trouver, quoi. Bonjour. Oh, dommage, je lui étais incroyablement stylé il y a deux secondes. Ok, waouh. D'accord, c'est un cul-de-sac. J'avais pas fait attention au verre. Ok, manivelle. Puissance de feu. Puissance de feu, te dis-je. Au ralenti. Boum. Ça c'est la manivelle qu'on avait déjà vue. J'espère. Oui, parce que c'est celle-là. Ok, oui. Les loupiottes, je les ai. Celle-là aussi, je les ai. D'ailleurs, elles sont super stylées. Ok. Là, ça m'intrigue. Pas de manivelle, cela dit. Mais une chest piece. Il y en a beaucoup qui se ressemblent, hein, des chest pieces. Hein, je veux pas dire, mais... Hop. Je veux bien la prendre, y a pas de souci, mais... Ça se ressemble, hein. Avec celle d'Iron Man qu'on a vu chez les Hilotes, là, là il y a pareil. Sauf que là, c'est un rectangle au lieu d'être un rond, quoi. Bonjour. Je savais que ça allait toucher celle-là. Hop, les t'es mort. Ok, ça c'est fait. Là, ce n'est pas. C'est un bouton. Oh, il est beau. Il rend super bien avec les lumières. Je veux pas dire, hein, mais. Ok. Je le sens pas, mais... What the fuck? What the fuck? J'ai pas tout d'allumé, cela dit. Pourquoi pas? Dis donc, il a l'air assez court, ce donjon, parce que je veux pas dire, mais on trouve beaucoup d'objets... Oula, j'ai fait de la merde, là. Hop. Crac. Voilà. Donc là on a tout d'allumé ? Non même pas. Bizarre. Alors. Allez. Hop. Crac. Donc tout ça c'était déjà fait. Ok. Cependant on n'a pas de deuxième manivelle pour le moment encore. Hein. Ça faut... Tu sais quoi ? Dégage. Tu sais quoi ? Encore plus dégage. Voilà. Donc je ne peux pas activer la porte. Là j'ai deux portes que dont je ne peux en activer qu'une. Ce qui est bien dommage. Scientifique, t'as déjà vu un trou noir de près? En voilà un. Hop, rien dans le truc. Donc là j'imagine que ça va m'avoir ouvert la deuxième porte là-bas là, c'est ça. Toujours rêvé de voir un trou noir de près, je suis sûr. Voilà. Le trou noir. Hop, j'allume ce truc là. Et ça me fait penser que c'est peut-être. Faudra absolument qu'on revienne au début. Waouh, 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 bonjour. Putain, non, il y en a une ici. Ah, mais c'est peut-être celle qui fait le. Ah, c'est sans doute la manivelle qui. J'ai fait une connerie là. J'ai peut-être fait une connerie là. Bon, on va bien voir. Comment je remonte? Je sais. Hop. Allons-y. Allons voir, hein. Il y avait deux manivelles. Et celle-là s'est activée aussi. Donc, je suis curieux. Les deux sont allumés cette fois-ci. Autre chose. Il y a un timer en plus. Ah non, c'est ouvert. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit. Oh. Ouais, enfin bon, j'avais pas prévu ça non plus. Ok. Oh, encore un fragment de translation de huile. Voilà, c'est ça.
de la roue de la transformation, de la commande de la traduction, pardon. D'accord. Ok, bah c'est cool, on a eu le secret de l'endroit. Rentre, comment je remonte? Hop. Ah bah c'est cool. Franchement, on a du bol, hein. On se débrouille vraiment bien. Ah, tiens, j'ai pas ces lumières. Ok. Eh ben on se débrouille bien. Malgré tout. Hop. On se débrouille même très bien. On va en profiter pour se soigner un petit coup, quand même. Hop. Tout se passe bien, mais faudrait pas gâcher tout ça. Hop. Allons-y. Je sais plus si j'avais moyen de passer par en haut. Non. Ok. Alors tout le côté électricité des apex qu'on avait vu précédemment revient. Ça c'est une mauvaise chose. Là il y a un bouton avec des portes autour. Donc je ne peux pas passer, hein. Techniquement je ne peux pas passer. Ni par en haut ni par en bas. Pourtant ça ça a dû activer quelque chose là-bas. On va essayer les portes, toutes les portes. Hop. Est-ce que ça l'a refermé ou est-ce que ça l'a ouvert? On va faire le test quand même, on va regarder en même temps ce qu'on fait. Je l'avais pas ce truc là. On entend vaguement quelque chose. Ah regardez, c'est l'électricité, non? Non même pas. Je ne saurais dire. Bon, je vais le laisser vert allumé donc. On verra bien. Ouh, je prends l'ascenseur. Fermé. Ah, j'espère que c'est pas... Non, ça doit être la manivelle là-bas qui vous la porte. Allez, soyons fous. Wow! Je vous avais oublié, vous les mecs. Ok. Le lit, il est à moi. Non, non, tu peux rester à ta place. Honnêtement, tu peux rester à ta place. Hop, merci. Tu as été aspiré par le trou noir de la mort. Ok. Bref. Ça s'ouvre. Ah la vache, j'avais oublié ce truc là. Oh la vache, mes PV, j'avais pas vu. Wouh. Ça fait mal, hein. Ça fait atrocement mal. On va se bouffer un truc, du popcorn, tiens, pour la peine. Voilà, on a un full régène, comme ça. Ça fait du bien par où ça passe. Ça veut dire quoi? Qu'il faut que je remonte maintenant? Ça m'a ouvert une porte là-haut? Ah, ça m'a ouvert toutes les portes, d'accord. Je voudrais aller voir là-dedans parce qu'il y a un coffre. Une vente, il y a ça que je n'avais pas. D'accord. Oh. Oh. Oh, c'est d'un style. C'est complètement stylé, pardon, excusez-moi, j'ai à moitié mal à la gorge ce matin. J'ai la voix qui n'est pas réveillée sans doute. Ouah, c'est tellement stylé. Il a tellement fallu que ce soit en rouge. Oh, on a les dailles, on peut les dailles maintenant en plus. Oh, c'est génial. Alors il me conseille d'aller par là. Oh, l'écran. Merde, j'ai loupé l'écran. Moi, c'est l'écran que je voulais. Oh. Oh, ça fait apparaître des monstres. Boum. Boum. Tellement de précision pour Marcus. Oh là. Ça pop et ça repop. Boum. Et oui, ça sert à ça de jouer Pharah, chers amis. Ça sert à ça de jouer Pharah. Hop. On n'est pas loupé une seule. Allez, au suivant, j'attends. Bon là je l'ai foiré mais en même temps le saut était un peu short. Bon là aussi. Voilà, je me la suis pété, maintenant je paye. Bon, avec quoi? On va faire jouer Reinhardt. Ce qui est plus ou moins vrai, hein. C'est deux personnages qui sont totalement différents, qui ont besoin d'actions situationnelles en plus tous les deux.
Bien que Reinhardt soit beaucoup moins beaucoup plus situationnel finalement que ça, j'ai eu cette espèce de truc. D'accord, ok. En fait, c'est la version grosse de ça en fait, c'est bizarre. Ok. Oh, un pain de passage. Oh. Ah oui, le manoir. Bah oui, ça y est, on est finalement dans le manoir du coup. Yo l'ami. Tu l'as fait, bien. Je suis wounded, je suis blessé. Je dois finir ce que nous avons commencé. Pour mettre fin à toutes ces défenses. Ce circuit est relié entre guillemets pour baisser les barricades. Ah oui, dans baisser les barricades a aussi baissé des protections en haut. Apparemment, on peut avoir un impact positif sur la guerre des rebelles contre l'oppression. Merveilleux. Quoi que tu fasses, ça aide. Enfin, every little helps. Quoi que tu fasses, même les petites choses, ça aide. Il y a une autre barricade au-dessus de nous, alimentée par un générateur de bouclier. Je crois que si tu la coupes, le bouclier sera aussi. Donc, si tu coupes l'alimentation, le bouclier n'aura plus de puissance, littéralement. Causing, donc, ça, ce qui fera que la barricade tombera. J'applaudis ta volonté, ta tenace volonté, entre guillemets, Moxie, je sais pas ce que c'est, dans la poursuite de buts complexes. Il y a d'étranges signes de vie en bas, donc dans le truc des labos, donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc elle est bien établie cette place forte des commandes Mininog. Je sais que tu fais toujours très attention, mais mon cher, mais s'il te plaît. Mais cette fois-ci, je pense que tu devrais faire encore plus attention que d'habitude. Ok. Big Ape est un profond. Oh, on va devoir combattre Big Ape. Non. Seriously? Ah bah si on doit combattre Big Ape, ça va être cool, hein. Autant le dire. Hein. Bon, je vais quand même aller voir tout ce qu'il y a dans les coffres ici, hein. Je vais pas faire le con. Sinon vous me l'aurez rappelé, chers amis. Mais vous voyez, je commence à comprendre ce que vous voulez que je fasse. Finalement. Ok. Regarde toujours au-dessus, Marcus aussi. Sait-on jamais. Aïe, c'est pas grave. Hop. Ok, il y avait rien. Bon, c'est pas grave. Toujours regarder quand même au-dessus des. Ah, là c'est particulièrement haut. Bon bah dis donc. Ah mais. Vous êtes éclaté ou quoi là? Ah ça y est. Ah bah oui, ça arrive jusqu'en haut quoi. Hop, ok. On va prendre un soin, c'est pas grave. On va vérifier celle-là aussi en haut là. Oui, c'était pour éviter d'avoir à passer par-dessus, parce que j'imagine que les portes s'ouvrent une fois que tu passes à certains points. Tout ça, je les ai déjà. Ok, bon bah on est bon. Fuck it. Go for it. La porte est ouverte. Là, une belle armoire. Avec une lumière que j'ai déjà, c'est dommage. Là, je peux pas me piquer. Remarque, on en a pas vu beaucoup des steampacks, hein. Je veux pas dire, mais... Ça, je prends. Le verre en verre, je prends. La porte, je l'avais pas, apparemment. D'accord, donc je la reprends. Oh, un deuxième steampack, génial. Le siège club de Matrix, qui est tellement présent. Des murs, parce que oui, il faut toujours avoir des bouts de mur dans son armoire, chers amis, c'est une nécessité. Oh, c'est sympa. C'est tout con, mais des fois, ouais, laisser une hauteur de plafond, ça fait vraiment château, parce que le château avait des grandes hauteurs de plafond. Bon, le boss. Oh, joli. Je peux pas le scanner. Ok, c'est initializing. Ah! Big Ape! Oh mon dieu! Qu'est-ce que c'est que ce boss? Oh la vache! La
Là j'avoue je bourre dans le tas. Hein. Tu ne mourras pas. Hop. Ils sont précis avec leur roquette, dis donc. Ouais. Plus que ce que j'imaginais. Hop. Il m'aurait fallu autre chose. Il m'aurait fallu une arme automatique. La vache. Je pense que je touche, hein, honnêtement. Bon là il est un peu plus haut donc forcément j'ai pas touché. Aïe. Hop. Raté. Aïe. Marcus, réchefflie. Réchefflie. Il est simple. Ses commandes sont simples. J'en ai eu un. Je savais pas que je jouais Ikaruga. Ah. Bon soin. Aïe. Bon soin. Putain, y'a un... Y'a un putain de... Vas-y, bouffe. Ouh, il a commencé à bugger, là. Vous avez vu? Ouh. Il va plus vite. Aïe. Il va plus vite. C'est certain. Allez, non, c'est pas ça que j'ai pris, moi. Mais non. Oula, rocket. Rocket time. Aïe. Hop, boum. 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 Tiens, il n'y en a plus autant qu'avant. Non, c'est bon. Oui, ça fait mal, j'aurais dû y penser. Tu la sens, ma grosse douleur? Ah, bla, bla. Hop. Oui, il la sent, ma grosse douleur. Oh là là, les roquettes. Hop, 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 hop. Ils font mal, en plus, eh. Boum. Boum. Wow. Ah, il y en a plus autant qu'à... Ah, ça y est. D'accord, à mon avis, il en perd au fur et à mesure... Et de une de plus. Je crois qu'elle se régène toute au passage. Wow. Ikaruga le retour. Wow. Il change de rythme. En plus. Et elles font tellement mal. On dirait les trucs dans mon intro, remarque. C'est rigolo. Oula, il devient multicolore maintenant, j'avais pas fait gaffe. Boum. Raté. Raté. Il m'aurait fallu une mitrailleuse. Enfin, une. Comment un. Alors, ouais. 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 Aïe. J'avais pas vu celle-là. Viens voir, papa. Ah, il fait un demi-tour maintenant. D'accord. D'accord, en fait, je crois qu'ils ont qu'un PV. Et on détruit ce qu'on peut. Je veux dire, ils ont qu'une barre de PV. Vous voyez, celui-là, à mon avis, il a full régène maintenant. Voilà, c'est ça. Il n'y a qu'une barre de PV par... Attendez, parce que là, je me prends beaucoup de dégâts. Je sais pas comment esquiver cela. Régène à fond. Oula. Oula. Il est tout seul mais il tire plus vite que les autres, tous les autres réunis, quoi. Aïe. Raté. Oula, diamant. Boum. Boum. Raté. Aïe aïe aïe. Ah, j'essaie de tout faire en même temps, c'est pas bon, Marcus, c'est pas bon. Réfléchis plutôt à ta survie. Réfléchis plutôt à ta survie.
Hop. Raté. Comment j'ai pu le rater? Oh là là, je te loupe pas. Au moins. Là, il va faire les lance-missiles. Non, là, il va faire les bip 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 bip. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a moyen que je les évite d'un point? Est-ce qu'il y a un point qui permettrait de les éviter tous? Ah la vache. C'est ceux-là qui sont durs à éviter. Non, ça va, il les a pas fait. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas fini. Ça peut pas être fini. Je le sens pas, je sais pas pourquoi je le sens pas. De toute façon apparemment je peux pas. C'est quoi ça? Oh. Alors ça déjà ça a l'air stylé, je veux pas dire mais... Je les ai récupérés ceux d'en haut. C'était ceux d'en haut, ok cool. Ça c'est stylé dis donc, je sais pas ce que c'est mais... Ah bah si c'était fini. Finalement. Ok, dommage. Est-ce que je peux passer à travers? Ouais, génial. Génial, génial. Oh là, non. Tu peux m'ouvrir ça s'il te plaît? Un diamant, de l'histoire, 20 de fer, what? Pourquoi? Un pauvre bouclier atomique déflecteur, si tu veux, et un gros marteau. D'accord. Marteau! Allez, vas-y, on descend. Ok, bah il était sympa et il changeait visuellement, je trouve aussi, donc ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Je vais ouvrir par ici. Le ministère du savoir! Waouh! Sympa! Ah putain, il va falloir tous que je les refasse parce que j'ai pas eu tous les trépieds. Fais chier. Avant de lui parler, je veux savoir d'où tu viens, Simone. D'un spawner. Ok. Merci. Bon. Donc. Ok. Bien joué, soldat. Merci pour te... Merci. Tout ce que tu as fait... worth it, worth, le mérité, donc. Tout ce que tu as fait était mérité. D'accord, oui, c'est pas. J'ai pas tué des gens pour le plaisir. Grâce à toi, cette place forte est tombée et. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça brille! Cette chose brillante est très distrayante. Oh, c'est pour ça que tu es là, prends-le, écoute, vas-y, prends-le. Soldat, je voudrais t'aider. Je crois que tu as gagné un petit peu d'aide. J'ai des skills, j'ai des compétences qui te permettent, qui pourraient être utiles. Ah bah oui, bah écoute, viens quand tu veux, y a pas de souci. Ok, recovered. Et là, y a des runes en dessous. Donc je pense que les runes, il va vraiment falloir qu'on bosse dessus. Ok. Ah non, le champagne était là. Le champagne était là pour fêter la victoire. Pour fêter la victoire. Dommage. Bon, on n'a plus qu'à remonter. C'est parti. Je sais plus s'il nous téléporte directement sur l'arche ou sur le vaisseau. Sur l'arche, ok, cool. Tant mieux. Oh, ce viseur. Ce viseur qui va tellement passer rouge. De toute façon, il va falloir qu'on s'occupe des commandes des teintures, chers amis. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Ah oui, alors dès que je lance ça, voilà. Ok. Je suis tellement heureux que notre groupe s'agrandit. Que nous continuons à trouver des alliés alors que nous continuons alors que dans notre recherche des artefacts. C'est presque comme commencer un nouveau protectorat. Ouais, vite fait. Il en reste plus que deux, chers amis, hein, quand même, cela dit. Hein. Hop. Je récupère ça et c'était dedans une tech card. Maintenant, nous allons chercher des artefacts glitch. Oh merde, j'aurais dû garder les... les glitchs sont plutôt sur les planètes avec une grosse activité volcanique. Ils ont l'air de trouver ça plus ou moins confortable. Non, pas confortable, normalement c'est plutôt sécuritaire. Vous savez, ils sont bien. Ils se sentent tranquilles, en sécurité, je crois. Les planètes volcaniques sont autour des Fiery Stars. Tu devrais commencer par chercher là-bas pour chercher des indices là-bas. Pardon, excusez-moi, j'ai un hockey qui vient en fait, donc ça va être terrible. Je sais que les glitches sont un petit peu en dehors du temps, mais ne les sous-estime pas. Fais quand même attention à toi. Ok. Ok. Et donc, elle est là, notre amie. Ok, cool. Oh! Oh, elle donne des augmentations!
Oh, génial! Ah, c'est génial, ils ont tous leur utilité, quoi. Oh, j'adore. J'adore, j'adore ce jeu, putain. Et ce jeu est quand même épique, je sais pas ce que vous en pensez, chers amis, merde. Oh, la gueule! Ce jeu est complètement épique. Bon, j'ai dû oublier un truc, n'empêche. De toute façon, je referai toutes les missions, je les referai. Je referai même plusieurs vidéos sur des tutos. Comment faire telle ou telle mission, comment aller plus vite dans telle ou telle mission. On va commencer déjà pour aller voir dans le musée de Koichi. Et pas de Kwashi, hein. Kwashi, ça fait un petit peu... je trouve que ça fait un petit peu... mince. Ah, oh, je l'ai sur le bout de la langue, littéralement. Oh bah, comme ça, ça va aider. Hop, 2, 3, 4, 5. Ah bah, c'est tout ce que ça a fait. Ah bah, on n'est pas rendu. C'est moi qui vous le dis. Kwashi, ça fait un petit peu... Ça fait un petit peu... mince. Ah, les trolls dans vous. Kwashi. Ok. Bah écoutez, tant qu'à faire. Glitch, château glitch amical, bah on y va. On va aller se faire ça rapidement, puis comme ça peut-être que dans le prochain épisode on pourra directement passer à l'action. Hop, crac. N'empêche, deux donjons en deux épisodes, ça va être la fête pour vous. Ah là là, qu'est-ce que je ferais pas pour vous mes amis. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous. Bon, le trône. Ah non, je ne veux pas d'une jouvencelle en détresse, je suis désolé. Hein. Hop. Bon. Ah, tout le reste va être dans la salle du roi, j'imagine. Ah non, la carte aussi, effectivement, oui. Mais il reste plus qu'un indice à trouver. Et on est bon. Bon, bah voilà. On n'a plus qu'à retourner voir Esther, chers amis. Hop là. Par la fenêtre. Ok. Bah c'est cool. Ah, vous avez tout augmenté. Génial. Oh, on ira la voir dans le prochain épisode, je pense. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.